Bonsoir à tous. Philippe Meneux de New Zealand Services. On est une agence qui est spécialisée dans l'immigration, dans l'éducation et dans les investissements. Et on est basé à Auckland et on aide principalement les francophones donc à immigrer, à étudier ou à investir en Nouvelle-Zélande. Ce soir, le sujet de la vidéo, on va parler des différents événements qu'il y a eu ces derniers jours en Nouvelle-Zélande, et notamment on va parler des élections, parce qu'on a eu des élections il y a le 17 octobre, on a eu notre nouveau gouvernement qui a commencé il y a 2 semaines, il y avait aussi lors de l'élection un référendum sur la fin de vie, et aussi un référendum sur la légalisation du cannabis récréatif en Nouvelle-Zélande. Et ensuite, on va aussi parler sur une question qu'on reçoit souvent, quand est-ce que les frontières vont rouvrir? Donc voilà les éléments dont on va parler ce soir durant ce Facebook Live. Je vous invite à poser des questions. J'essaierai d'y répondre du mieux possible avec les connaissances que l'on a à ce jour de la situation. Et comme vous savez, la situation liée au Covid peut évoluer extrêmement rapidement. Tout ce qu'on peut dire maintenant concernant le Covid, c'est à l'instant T et ça peut changer pour X raisons. S'il y a des nouveaux cas qui se présentent, là il y a un nouveau cas en Nouvelle-Zélande dans la communauté à Auckland. À première vue, ça a été identifié. Donc, oui, il faut quand même rester vigilant. Et je pense que le gouvernement, par rapport à ça, reste extrêmement vigilant. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver et qui nous rejoignent, je vais répéter rapidement le but de la vidéo de ce soir. Donc, on va parler du nouveau gouvernement. On va parler de l'euthanasie, on va parler du référendum sur le cannabis et on va parler de l'ouverture possible des frontières et qu'est-ce que nous on peut sentir par rapport à ça. Et globalement, on va parler aussi de l'économie et de la politique ici en Nouvelle-Zélande parce que forcément, toutes les décisions qui sont prises à ce jour en Nouvelle-Zélande ont une connotation politique. Voilà. Et surtout, s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. D'accord. Donc, les élections. Donc, comme je vous l'ai dit, la date des élections, c'était le 17 octobre. Et contrairement à l'année dernière, il y a 3 ans, où lors des élections, il y avait un parti qui était le parti de Winston Peter, qui s'appelait National First, qui pouvait faire balancer le gouvernement soit à gauche, soit à droite. Et là, on a eu un gouvernement pendant 3 ans qui était un gouvernement travailliste, qui s'appelle Labour, qui était associé avec le National First, qui est un parti un peu d'extrême droite, et on avait aussi au gouvernement les Verts, les écologistes. Et ça formait un gouvernement de coalition. Et il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé durant ces 3 ans précédents parce que il y avait ces majorités de blocage et il n'y a pas eu forcément un consensus général pour des projets. Le seul consensus qu'il y a eu au niveau de la politique ces derniers temps, c'était bien sûr les mesures prises concernant la COVID-19, on parle de la COVID-19 et non plus du COVID-19, pour fermer les frontières et pour protéger le pays de nouveaux cas arrivant. Donc, si vous voulez, je vous expliquerai un peu le processus à la fin de comment venir en Nouvelle-Zélande pour les gens qui le peuvent, comment ça se passe, et les gens qui sont ici en Nouvelle-Zélande, s'ils veulent sortir, comment ils doivent faire aussi pour pouvoir un jour ou l'autre re-rentrer en Nouvelle-Zélande. Donc, pour revenir aux élections, cette fois-ci, Labour, donc Jacinda Ardern, la première ministre que l'on a eue depuis 3 ans, a été réélue avec une majorité des sièges au niveau du Parlement.
et a donc eu, je crois, 66 sièges, mais ça a dû changer aux 68 sièges, et n'avait sur les 120, donc il y avait une majorité absolue, et a pris dans son gouvernement, au niveau de la Nouvelle-Zélande, deux personnes venant du parti écologiste, les Verts, les Green Party. Il y en a un. Qui est responsable, il y a un ministre qui est responsable du développement des énergies renouvelables et de changement climatique, et l'autre ministre est responsable de la famille au niveau du gouvernement. Et après, tout le restant, ce sont des ministres issus de Labour, et on a conservé entre autres Grant Robertson, qui était le ministre des ministres des Finances et qui est passé aussi député ministère. C'est-à-dire que lorsque Jacinda Ardern est absente du pays, c'est lui qui prend le rôle de Premier ministre par intérim. Si toutefois Jacinda Ardern voulait mettre au monde un deuxième enfant, bah, il faudrait qu'il y ait l'intérim serait assuré par Grant Robertson. Donc Jacinda Ardern, contrairement aux 3 années précédentes, a le champ libre pour proposer et faire passer ces lois qu'elle considère importantes et qu'elle a proposées durant sa campagne électorale. Et une des lois qui est pas inintéressante, c'est notamment pour les salariés où le nombre de jours de maladie va passer de 5 jours à 10 jours. Et le salaire minimum va passer à 20 $ de l'heure. Voilà. Donc ça, c'est les avancées pour les salariés. Et pour l'instant, on n'a pas. Il y a d'autres projets qui vont venir en ligne. Pour l'instant, c'est les deux points essentiels. Parallèlement à ça, lorsqu'on a été voté pour les élections pour élire nos représentants, on avait aussi à répondre sur 2 questions par référendum. L'un était sur la fin de vie, donc l'autorisation sous certaines conditions de l'euthanasie, et la seconde était sur la légalisation du cannabis. Cannabis récréatif, sachant que le cannabis thérapeutique est légal en Nouvelle-Zélande depuis le 1er avril 2020, et notamment sur la partie investissement, on propose d'investir dans ce genre de sociétés qui sont bien évidemment des sociétés qui démarrent et qui ont un fort potentiel de pouvoir venir sur le marché local et international. Et donc, si vous êtes intéressé par ce genre d'investissement, je vous invite aussi à nous contacter sur info@nzservice.co.nz ou par Skype, Messenger, par tous les moyens que vous souhaitez, ou sur notre website. Si vous allez sur notre website, il y a un bouton pour nous contacter via Messenger assez rapidement. Je regarde, pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc on va pouvoir continuer. Donc, on a vu la partie des élections. Donc, c'est Jacinda Ardern qui est au pouvoir pour les 3 prochaines années. Durant la campagne, il parlait d'augmenter le terme à 4 ans, qui donnera un peu plus de stabilité, et ça permettrait quand même, je pense, au gouvernement de pouvoir être un peu plus stable et de pouvoir mettre les projets en place dans un temps un peu plus long, parce que 3 ans, ça va vite. Les gens arrivent au pouvoir, ils commencent à avoir les affaires. La deuxième année, ils commencent à mettre les choses en place. Et la troisième année, bah, il faut vite faire les choses parce que l'élection, ou ne rien faire, parce que l'élection est au bout du chemin. Donc, 4 ans, je pense, ce serait une bonne formule qui permettrait à chacun de pouvoir gérer les affaires au mieux dans un laps de temps beaucoup plus important. Donc, pour les référendums, donc le référendum de la fin de vie, il y a eu 65% des gens qui étaient favorables à ce référendum. Donc, les lois qui concernent cette proposition vont être mises en place pour accompagner les gens en fin de vie qui souhaitent finir plus tôt et arrêter les souffrances. Mais ça sera un processus extrêmement encadré. Je vais vous donner les différentes règles.
pour ça. Donc, excusez-moi, je ne les connais pas par cœur, donc je vais devoir prendre mon papier pour les lire. Donc, il faut être âgé de plus de 18 ans, être citoyen ou résident permanent en Nouvelle-Zélande. Donc, ça veut dire que les gens ne vont pas venir ici spécialement pour bénéficier de cette loi. Il va falloir être résident ou citoyen néo-zélandais pour pouvoir bénéficier de cette loi. Il faudra aussi souffrir, donc c'est un peu difficile à estimer, parce que la souffrance est quelque chose qui est vraiment personnel. Il faudra souffrir d'une maladie en phase terminale susceptible de mettre fin à leur vie dans les 6 mois. Donc, je pense que cette phrase est sujette à débat et à interprétation. Donc, quel est le mot souffrance? Enfin, bon, je pense qu'il y aura certainement des amendements par rapport à cette proposition dans le futur. Avoir un déclin significatif et contenu de la capacité physique, pareil, c'est des éléments subjectifs, ça aussi, donc il y a certainement débat par rapport à ça. Éprouver des souffrances insupportables qui ne peuvent pas être soulagées, pareil, c'est encore des éléments subjectifs, donc à voir, on verra comment ça pourrait être appliqué dans les faits réellement. Être en mesure de prendre une décision éclairée sur l'aide à mourir. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier de cette loi, il faudra être encore conscient. Si vous êtes en phase terminale, à ce jour, il n'est pas prévu que quelqu'un d'autre puisse décider pour vous de pouvoir mettre fin à vos jours ou pas. Donc voilà, mais je pense que les gens sont d'accord sur le principe. Maintenant, on va voir, je pense, les différentes lois ou amendements qui vont arriver ou submissions qui vont arriver pour faire une loi qui soit des plus applicables possibles. Donc ça, une personne ne pourrait pas demander l'assistance à mourir si la seule raison qu'elle invoque est qu'elle souffre d'un trouble mental ou d'une maladie mentale, ou qu'elle a une incapacité de quelque nature que ce soit, ou qu'elle est d'un âge avancé. Ça, ce ne seront pas des critères qui seront pris en compte pour pouvoir bénéficier de la loi sur l'euthanasie. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a toujours pas de questions par rapport à ça. Donc, on va pouvoir passer à des choses beaucoup plus gaies. C'est la légalisation du cannabis. Et le référendum est extrêmement proche, parce que 50,7% des jeunes des gens ont répondu non, simplement 48,4% des gens se sont prononcés et il y a eu quelques votes nuls. Donc c'est pour ça que à ce jour, pour l'instant, la loi, il n'y a pas de légalisation du cannabis récréatif, mais pareil, je pense qu'avec un tel équilibre entre les gens du non et du oui, je pense que la loi concernant l'utilisation et du cannabis récréatif va aussi évoluer d'une façon ou d'une autre. Donc ça va, je pense, être discuté, d'autant plus que cette loi avait été demandée, ce référendum avait été demandé par les Verts lors du premier gouvernement de Jacinda Ardern, et comme les Verts sont de nouveau au gouvernement, on va pouvoir certainement avoir un débat un peu plus équilibré par rapport à cela dans les prochains jours, parce que il y avait quand même pas mal d'arguments en faveur, et notamment des arguments financiers et économiques qui étaient assez importants pour la Nouvelle-Zélande. Et notamment, il va falloir aussi trouver, comme dans tous les pays, de nouvelles sources de revenus, de nouvelles sources de taxes. Et le fait que ce soit légalisé, ça permettait aussi de contrôler la qualité et de réguler un marché qui est tout à fait irrégulier, qui n'est pas du tout régulé à ce jour. En revanche, le cannabis thérapeutique, lui, continue, les avancées du cannabis thérapeutique n'ont pas été du tout impactées par le fait que l'utilisation du cannabis récréatif n'ait pas été légalisée à ce jour en Nouvelle-Zélande. C'est deux choses bien différentes. Et à ce jour, nous avons investi principalement dans du cannabis thérapeutique qui a vraiment devant lui un avenir extrêmement prometteur. Et le fait qu'il n'y a pas de cannabis récréatif, c'est à ce jour pas un souci par rapport aux gens qui ont investi dans le cannabis thérapeutique. Au niveau de la Nouvelle-Zélande,
On est assez heureux ici en Nouvelle-Zélande, car d'une part, les cas mortels de Covid sont simplement de 25 personnes qui sont décédées, simplement, mais c'est toujours une peine pour les gens de la famille qui est concernée, mais on a eu 25 personnes qui sont décédées du Covid et des gens qui étaient âgés entre 70 et 80 ans, voire plus. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une épidémie dans le sens propre du terme ici en Nouvelle-Zélande. En revanche, on a eu des cas, on a toujours des cas, mais comme les frontières sont fermées, les gens qui rentrent en Nouvelle-Zélande sont obligés de passer par une quarantaine, enfin une quatorzaine, pardon, dans des hôtels en Nouvelle-Zélande qui sont basés sur Auckland, Rotorua et Christchurch. Et donc, les gens sont obligés d'aller dans ces hôtels pendant minimum 14 jours et tester de façon régulière afin d'être sûr qu'ils ne sont pas porteurs du Covid. Il y a eu deux petits cas qui sont passés dans la communauté qui étaient plus ou moins liés à ces quarantaines, à ces bâtiments en quarantaine. Donc, bon, il y a aussi les process qui vont être aussi revus et renforcés, je pense, par rapport à ça. Mais par rapport à la crise du Covid, là, on a eu des chiffres qui étaient assez intéressants il y a 2 jours où. Le taux de chômage qu'on comptait être aux alentours entre 9 et 10% est en fin de compte de 5%. Donc, malgré la crise du Covid, le chômage n'a pas explosé. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Il faut savoir aussi qu'en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de travailleurs émigrés et dont la présence en Nouvelle-Zélande est lié principalement à leur travail. C'est-à-dire que c'est à partir du moment qu'ils perdent leur travail, ils doivent rentrer dans leur pays d'origine. Donc il y a eu ça. Là, on a eu aussi, parce que dans certains secteurs d'activité en Nouvelle-Zélande, on manque de main-d'œuvre. Donc, depuis le 1er octobre, les personnes qui étaient en working holiday visa et qui se destinent à travailler dans l'horticulture ou faire les vendanges, ont leur visa qui a été allongé. Donc, c'est aussi, ça fait partie des choses de la main-d'œuvre qui est déjà sur place, qui va pouvoir rester pour aider les gens à récolter les vendanges et les fruits et légumes. C'est bientôt la pleine saison. L'économie, elle aussi, continue à avancer. Très bien. Et une chose surprenante que les économistes n'avaient pas prévue, c'est que il y a un boom immobilier à ce jour en Nouvelle-Zélande, principalement sur ce qu'on appelle les first home buyers, les primo-accédants. Pourquoi? Parce que il y a eu les taux d'intérêt qui ont baissé. Et à ce jour, certaines banques prêtent de l'argent à 2,69%. C'est des taux qu'on n'a jamais vus ici en Nouvelle-Zélande. Donc, ça encourage les jeunes ou les primo-accédants à acheter de l'immobilier. Et bien évidemment, la demande est élevée et donc les prix augmentent. Parallèlement à ça, on voit aussi un retour massif des Néo-Zélandais qui étaient à l'étranger, qui reviennent en Nouvelle-Zélande. Et d'après ce que j'ai pu entendre aux informations dernièrement, ils prévoient dans les 2 ans qu'il y aurait environ 250 000 Néo-Zélandais expatriés qui rentreraient en Nouvelle-Zélande. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des chances que ça va s'attendre aussi tout ce qui est infrastructure, s'attendre le marché immobilier. Donc, bon, et ça, on sait bien que lorsque l'immobilier va, tout va. Donc, c'est aussi une bonne nouvelle. On continue à exporter. Malgré le COVID, la COVID-19, avant la COVID, on avait un taux d'endettement de 20% par rapport au PIB. Et maintenant, avec les subventions qui ont été données et les projets d'infrastructure qui vont être lancés, on sera aux environs de 60% d'endettement par rapport au PIB, donc qui reste toujours très inférieur par rapport à la moyenne des autres pays qui font partie de l'OCDE. Donc, c'est beaucoup de bonnes nouvelles. Et nous, du côté immigration, on voit de plus en plus de demandes
demandes de gens qui ont de qui veulent investir, qui veulent émigrer sous des visas d'investisseurs. Donc il faut soit avoir entre 3 millions et 10 millions de dollars pour pouvoir venir immigrer en Nouvelle-Zélande, et on a de plus en plus de demandes de gens qui sont intéressés à immigrer en Nouvelle-Zélande, car ici la vie est presque normale. Les seules choses où l'on peut pas, où on est un peu moins libre, c'est de pouvoir sortir et de rentrer en Nouvelle-Zélande quand on veut. Déjà, pour pouvoir sortir, faut de préférence être résident, résident permanent ou citoyen. Si vous êtes en visa temporaire, si vous sortez, vous ne pourrez plus rentrer. Donc, ça limite déjà les gens qui veulent sortir. Donc, les retours en famille sont assez compliqués. Ensuite, si vous décidez de partir maintenant, vous devez prévoir de réserver votre quarantaine, votre hôtel de quarantaine à votre retour. Et vous ne pourrez pas embarquer si vous n'avez pas un voucher, un bon qui vous dit ben, quand vous rentrez, vous aurez votre bon de quarantaine. On ne vous dit pas où vous irez, vous pourrez arriver à Rotorua, Christchurch ou Auckland, mais au moins vous avez un bon, on vous a réservé une place en quarantaine. À ce jour, pour un ordre d'idée, la quarantaine est payable par les gens qui l'utilisent, et la quarantaine c'est 3150 pour une personne, et je crois qu'on doit rajouter 900 $ pour la deuxième personne. Donc c'est des coûts qu'il faut aussi ajouter à vos frais de voyage. J'ai une question de Nao. Bonjour, la question sur l'ouverture des frontières me préoccupe beaucoup. De plus, avez-vous des informations concernant la possibilité de demander des visas entrepreneurs en ce moment ? Donc, la question des... J'allais venir à cette question des ouvertures de frontières. À ce jour, les seules ouvertures de frontières se concernent les gens qui sont résidents ou citoyens, et concernent aussi un certain nombre de métiers qui sont considérés comme essentiels à la Nouvelle-Zélande, et là vous pouvez rentrer, ou certains sur certains projets qui sont considérés comme essentiels, et si vous travaillez sur ces projets-là, vous pourrez rentrer en Nouvelle-Zélande. Après, pour la deuxième partie, sur la partie des entrepreneurs, je pense qu'il serait préférable de prendre un rendez-vous avec moi pour voir quel est votre projet d'entrepreneuriat en Nouvelle-Zélande, car cette catégorie d'immigration est extrêmement difficile à obtenir, et 95% des demandes dans ce créneau-là sont refusées. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir un business en croissance, innovant, et être aussi orienté à exporter. Donc l'export, on peut laisser tomber si, en revanche, vous avez un business qui est en croissance, si vous allez embaucher beaucoup de personnes. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses qu'il faut définir avant de pouvoir aller sur cette voie-là. J'ai une autre question et je ne saurais pas y répondre. Qu'en est-il pour les enfants de moins de 2 ans pris de la quatorzaine ? Je ne suis pas sûr si c'est... On vous répondra par rapport à ça, parce que je ne suis pas très sûr qu'ils doivent payer ou pas. Donc, j'aurais tendance à dire c'est gratuit, ou le montant est faible, mais j'ai pas la réponse à ce jour, donc je préfère qu'on vous réponde de façon beaucoup plus conforme. J'ai une autre question, bougez pas, je suis en train de la chercher. Bougez pas, je me doute. La boulangerie-pâtisserie ne fait pas partie des jobs essentiels. C'est la question de Sly à Lille. Ça fait partie des jobs essentiels. Les jobs essentiels sont généralement liés à tous les jobs qui sont liés à la santé et sur quelques projets bien précis on a besoin de compétences techniques que l'on n'a pas ici en Nouvelle-Zélande. Donc, concernant la situation économique de la Nouvelle-Zélande, donc le confinement s'est bien passé. Le taux de chômage, on est à 5,3 en septembre.
D'habitude, ah oui, une des raisons qu'il y a aussi, c'est que pourquoi l'économie va bien en Nouvelle-Zélande, c'est que généralement les Néo-Zélandais dépensent 10 milliards de dollars par an en voyage à l'étranger. Et donc cette somme-là, comme ils ne peuvent pas la dépenser à l'étranger, la dépensent localement dans les business locaux. Ils vont racheter une maison, ils vont refaire la maison où ils habitent, ils vont faire les travaux. Là, on était avec une personne qui fait des luminaires hier, et elle nous disait que la demande avait explosé parce que les gens qui ne peuvent pas partir décident de réaménager leur maison et de s'acheter un luminaire qui soit sympa pour leur maison. Donc, ils sont prêts à dépenser un peu plus d'argent pour faire ce genre d'investissement. Okay. Donc, ouais, par rapport au marché immobilier, et là je parle des maisons parce que je sais que à ce jour, les appartements n'ont pas commencé à augmenter, mais je pense que ça va être la prochaine chose qui va augmenter, ce sont les appartements. Pourquoi les appartements n'ont pas augmenté à ce jour? C'est que beaucoup d'appartements, notamment à Auckland, en centre-ville, sont liés, sont généralement des investissements locatifs. Et à ce jour, comme il nous manque beaucoup d'étudiants ici en Nouvelle-Zélande, on a beaucoup d'appartements qui sont vides, et ce qui veut dire que les prix des loyers baissent pour qu'on puisse quand même les louer. Donc le retour sur investissement est moins intéressant qu'il a pu l'être. Mais comme je vous disais tout à l'heure, avec le nombre de personnes qui vont revenir en Nouvelle-Zélande, il va falloir aussi devoir les loger. Donc la demande locative va de nouveau augmenter, et on va de nouveau, je pense, vivre des moments où on va manquer beaucoup de logements. Il y a l'année dernière, à cette époque-là, par exemple, ouais, ou en décembre, janvier, pour la visite d'un appartement, c'était pas inhabituel de voir 30 ou 40 personnes faire la queue pour louer un appartement. Donc là, on risque d'avoir la même chose s'il y a une forte demande de l'étranger. Voilà, donc j'ai plus de questions. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce live. C'est des choses que je pense qu'on refera de façon régulière lorsqu'il y a des événements importants qui peuvent vous intéresser. Pour l'instant, l'ouverture des frontières, désolé, on n'a pas de prévision à vous donner. Là, il parle à ce jour d'une ouverture de frontières avec les îles Cook pour que les Néo-Zélandais puissent aller aux îles Cook en vacances et puissent revenir, et vice-versa. Mais pour l'instant, on n'a pas eu la. On peut aller en Australie, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, comme l'Australie n'est pas est encore avec des cas de Covid, lorsqu'on revient d'Australie, on doit faire la quarantaine et on doit payer la quarantaine. Donc pour l'instant, les gens qui doivent y aller parce qu'ils ont de la famille, ainsi de suite, ils vont, mais on ne va pas en Australie pour une semaine parce que forcément il y a des coûts qui sont assez importants. On espère que les étudiants, parce qu'il y a une forte pression par rapport à ça, seront réouverts soit février, mais on a peu de doutes par rapport à février, mais plutôt juillet 2021. Mais c'est toujours pareil, ça va aussi dépendre de l'évolution de l'épidémie ici en Nouvelle-Zélande. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ils vont faire rentrer les gens compte-gouttes. Le plus gros problème qu'on a à ce jour en Nouvelle-Zélande, c'est le nombre de places qu'il y a disponibles en quarantaine. Là, il n'y a plus aucune place jusqu'au 16 décembre. Donc, ça veut dire que les gens qui voulaient passer Noël en famille ne pourront pas passer Noël en famille, parce qu'avec les 14 jours, peut-être qu'ils pourront passer le 31 décembre en famille, mais ils ne pourront pas passer Noël en famille. Donc après, le site, à première vue, a quelques bugs aussi. Donc, il faut, de façon récurrente, rafraîchir le navigateur Internet pour être à jour. Ne vous découragez pas si on vous dit qu'il n'y a pas de place. Continuez. C'est ce que j'entends hier à la radio, qu'il peut y avoir quelques bugs par rapport à ça. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt. J'espère vous voir avant Noël pour vous souhaiter un bon Noël et vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et si toutefois on ne se revoit pas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et l'année prochaine. Mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir avant la fin d'année.
Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.